présence nous au niveau de la mairie, donc c'est par rapport ensemble avec la situation de crise qui gagnait sous frontière Belader, déportation massive, côté qu'il y a voyé un pile frein actuel vini. Donc nous-mêmes au niveau de la mairie, donc une fois que la République dominicaine t'a fait annoncer, nous t'ai pris toutes les dispositions nécessaires, côté que nous t'ai activé Coupe-nous, qui c'est centre d'opération d'urgence communale. Donc nous t'ai réuni ensemble avec acteurs humanitaires, donc qui dans chaîne de protection, disons, qui sous frontière là, et qui a bien assistance, n'a parlé de tout partenaire, ONG. Donc nous-mêmes au niveau de l'État et au niveau local, donc nous prenons toutes mesures nécessaires pour nous capables vraiment accueillir, on a dit, dans une bonne position, Frene Action qui a sorti en République Dominicaine. Donc généralement, dans la situation, ça, autorités nationales ont mobilisé tout. C'est ça que fait regarder direction protection civile, on a parlé de direction nationale protection civile, généralement présent dans la commune Belader. Et en pile mouvement fait, côté que vraiment gagné en pile matériel anti qui déjà vini, kit de secours qui vini pour nous capables vraiment recevoir ça, qu'on est capable de suivre. Tu as gagné hélicoptère qui fait plusieurs voyages, vini dans la ville là, pour capable venir accompagner nous pendant la situation. Ça. Nous te recevoir des petits matelas qui pourraient permettre que dans l'autre abri provisoire que mairie Belader mettait à la disposition, et migrants ça yo. Okay. Donc, moun sa yo pral capable de toucher. Et comme ça, tout gagne de l'autre assistance que nous jouons, tant qu'on a pour gagne petit sac du riz qui vini. Donc, même pense que c'est important, ça yo pral permettre que ensemble d'acteurs yo qui là, sous frontière là, vraiment de concert avec la mairie, donc qui a coordonné pour protection civile. Donc tout ça pour nous avoir une réponse par rapport avec la situation. Vous ne savez pas qui était à bord de l'hélicoptère? Bon, généralement, j'en dis déjà, c'est une intervention de l'État haïtien. Okay? Donc l'État haïtien et dans le genre de cas, nous connaissons l'aide, c'est la protection civile qui coordonne. Okay. Donc nous connaissons ONM tout. Ils ont gagné ça pour jouer partition par eux. Et nous-mêmes au niveau de la mairie, donc nous-mêmes, n'a géré tout ça pour nous gérer très bien. Ministre n'a pas venu ça quoi c'est PM non. Bon, généralement nous connaissons ça exister et qu'on gagne de empêchement dans dernière minute yo, donc ça yo nous connaissons. Mais ça qui est important c'est que le gouvernement gagne en pile volonté pour capable bail assistance ensemble avec migrants ça yo qui a venu sous frontière. Donc généralement nous-mêmes nous rete coordonné ensemble avec yo. Donc nous-mêmes dans le local avec l'autorité nationale en pile mesure Jean Kendia qui apprend pour nous capable arriver recevoir Frene Action bien.